Les beaux draps, Louis-Ferdinand Céline. Le peuple, il n'a pas d'idéal, il n'a que des besoins. C'est quoi des besoins? C'est que ces prisonniers reviennent, qu'il n'y ait plus de chômage, qu'on trouve des boulots soisois, qu'on ait la sécurité, qu'on se trouve assuré contre tout. Le froid, la faim, l'incendie, qu'on ait les vacances payées, la retraite, la considération, la belote et le pousse-café, plus le cinéma et le bois de rose, un vache smoking tempérament et la pétrolette d'occasion pour les virer en famille. C'est un programme tout en matière, en bonne boostif et moindre effort. C'est de la bourgeoisie embryonne qui n'a pas encore trouvé son blot. Les plus terribles bouleversements vont pas lui changer son programme. C'est du rêve de décontenancé. Paysan qui a plus sa vache, plus de terre, plus de châtaigne, qui se raccroche à tout ce qu'il trouve, qui a peur que le monde lui manque, que tout lui flanque entre les doigts. Tout ça, il se dit, c'est fantastique. Ça pousse tout seul. Ça durera pas. Je serai à carreau que fonctionnaire. Ah bordel foutre, il m'en faut. Retraite ou mourir. Sécurité ou la mort. La panique, c'est toujours vilain. Faut prendre les choses comme elles sont. Ça serait pas si abominable, ça pourrait très bien s'arranger, si les atroces profitaient pas pour forniquer leur saloperie, les occultes cultiveurs de haine qui démordent jamais, enveniment, disposent les traquenards, bousillent, torturent à plaisir. C'est l'abîme, c'est l'apocalypse, avec tous ces monstres déchaînés, avides, dépeceurs jusqu'à l'âme, qui s'en trouvent sous les petites gens. Ça suffit pas la misère pour soulever le peuple. Les exactions des tyrans, les grandes catastrophes militaires, le peuple, il se soulève jamais. Il supporte tout, même la faim. Jamais de révolte spontanée. Il faut qu'on le soulève. Avec quoi? Avec du pognon. Pas d'or, pas de révolution.